Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Binisbe ni moustoua tani ya idadi kriyar, franciya dars haula al-wirata. Transmission de l'information génétique. Notre objectif comment le programme génétique est-il transmis de la cellule œuf aux autres cellules et comment passe-t-il d'une génération à une autre. D'unis se le hedv d'y en a, b'tabet hal, nous béin, kèfè yentakelo al-wirati b'tabet hal. من الخليه البيضاء بطبيعه الحال التي تتشكل نتيجه الاخصاب الى باقي الخلايا خلايا الجسم الاخرى والجزء الثاني بطبيعه الحال كيف تنتقل بطبيعه الحال ينتقل الخبر الوراثي من جيل الى اخر alors activite 1 act, transmission du programme genetique de la cellule œuf aux autres cellules Vous vous souvenez un petit peu, juste après sa formation, la cellule va subir une succession de divisions. Vous vous souvenez un petit peu, stade 2 cellules, stade 4 cellules, 8 cellules, morula bien sûr, et au niveau bien sûr de euh, la cavité de l'utérus, il y a implantation dans notre embryon, donc la grossesse commence toujours euh, bien sûr euh, par des divisions cellulaires. Les cellules filles, comme toutes les autres cellules de l'organisme, sauf les gamètes sexuelles, elles possèdent, euh, toutes ces cellules bien sûr, possèdent 46 chromosomes. Lors de la division cellulaire, il y a donc conservation du nombre de chromosomes. Comme je l'ai dit, deux paires de chromosomes uniquement pour comprendre. Donc, que se passe-t-il On constate qu'il y a un dédoublement des chromosomes bien sûr avant la division. Ceci permet d'obtenir deux cellules filles issues de la division à deux paires de chromosomes chacune, comme je l'ai ai dit auparavant, mais qui possèdent le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Donc cette division, comme je viens de le dire, se produit tout au long de la vie d'un individu, lors de la formation de l'embryon, lors de la croissance aussi. Donc euh, la division cellulaire, c'est elle qui permet Bien sûr, euh, comme, comment je, je peux le dire, bien sûr, le développement des organes. Bien sûr, euh, il y a une augmentation de leur taille. Aussi, bien sûr, euh, la croissance en général du corps. Euh, même à l'âge adulte, il y a aussi cette division continue et ne s'arrête pas, bien sûr. Ceci pour le renouvellement cellulaire. Bien sûr, les cellules de la peau, se renouvellent. Euh, des cellules meurent et d'autres. Euh, نس donc، les cellules obtenues appelées cellules filles sont strictement identiques entre elles et identiques à la cellule mère. اذن ربما تضحل عليكم ذلك بطبيعه الحال هذه الانقسامات الخلويه هي اللي تضمن بطبيعه الحال نمو الاعضاء ونمو الجسم ككل بطبيعه الحال خلال مرحله الجنين بطبيعه الحال وكذلك كما عرفت نمو الجسم ككل وحتى بطبيعه الحال بعد بعد بطبيعه الحال في سن البلوغ بطبيعه الحال هناك تجدد للخلايا بشكل دائم وهذا التجدد بطبيعه الحال يتم بفضل هذه الانقسامات الخلويه بحيث كل خليه تخضع للانقسام وتعطينا خليتين بنتين تشبه تماما بطبيعه الحال نسخه مطابقه للاصل الخليه الام وتتوفر كذلك كل من الخليتين البنتين على 46 كروموزوم بطبيعه الحال Le problème qui se pose, comment une cellule à 46 chromosomes donne deux cellules chacune à 46 chromosomes Logiquement, le montage qui est beau, c'est que le chalier de fait 46, et quand il se décroche, il y a deux chaliers, il va 23 chromosomes, 23 chromosomes. Mais, suivant ce document animé qui va nous montrer ce se passe pendant cette division, donc, on va assister à une division qu'on appelle la mitose. C'est le nom de ce type de division. Donc, la cellule mère, comme je l'ai déjà dit auparavant, se divise pour donner deux cellules filles parfaitement identiques à la cellule mère et qui possède bien sûr le même nombre de chromosomes. Alors, notre cellule, comme vous le constatez, le noyau, le cytoplasme, bien sûr notre membrane cytoplasmique, le noyau, il est délimité par une enveloppe, il contient l'information génétique sous forme de chromosomes, voilà, continuons. Alors, euh, nos chromosomes à l'intérieur, bien sûr, au niveau du noyau. On assiste, comme vous le constatez, euh, à, une, à un dédoublement. Did, voilà, le nombre de chromosomes Il, euh, il est dupliqué, euh, multiplié par deux. Donc, euh, avant la division, euh, le nombre de chromosomes se dédouble. Voilà, il y a un dédoublement du nombre de chromosomes. Voilà, euh, aussi bien sûr, je ne veux pas parler des centrosomes, euh, c'est un un c'est un organisme. On va se limiter, bien sûr, on va parler uniquement des, des chromosomes. Donc les chromosomes vont se condenser, comme vous le constatez. Donc par ce jeu coordonné, les chromosomes sont alignés au centre, voilà. On assiste, comme vous le constatez, les chromosomes ils vont se séparer en deux, voilà. Donc, le cytoplasme se sépare en deux lui aussi, les chromosomes se décondensent, une enveloppe nucléaire, une enveloppe du noyau, se forme autour de chaque groupe de chromosomes. Ainsi, on va obtenir nos deux cellules phi, chacune renferme le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Donc, ce qui assure, bien sûr, la conservation du nombre de chromosomes euh, au niveau, bien sûr, dans les deux cellules phi c'est le dédoublement des chromosomes avant cette division. effectivement, chaque chromosome de la cellule mère ou cellule initiale est dupliqué, multiplié par deux, c'est-à-dire qu'il se dédouble pour donner deux chromosomes identiques au premier. on obtient deux cellules avec chacune les copies exactes des chromosomes de la cellule mère, donc avec la même information génétique grâce à la duplication qui a eu lieu pendant Bien sûr, avant la division de la cellule. Passons maintenant à notre activité de transmission du programme génétique d'une génération à une génération. Alors, euh, la spermatogénèse, vous vous souvenez un petit peu, on en a déjà parlé auparavant, c'est la formation des gamètes

c'est là en fait, elle peut être la spermatogénèse, et elle peut être appliquée Alors, la DNA est une cellule mère. Nous sommes, bien sûr, au niveau du tube similifère, à 46 chromosomes. Celle-ci va subir une première division normale. On va obtenir deux cellules, fille, toutes les deux, bien sûr, à 46 chromosomes. Donc, il y a un dédoublement des chromosomes avant cette division. Mais que se passe-t-il après une première division spéciale, voilà. Une première division, on, on, on constate que les deux, les deux cellules filles renferment uniquement chacune uniquement 23 euh, chromosomes, c'est-à-dire la moitié des chromosomes de la cellule mère. On parle dans ce cas-là d'une division réductionnelle. 23 cibriers dans toutes les cellules de la Une deuxième division cette fois-ci, voilà, mais cette fois-ci les cellules obtenues, elles renferment euh, le même nombre que leurs cellules mères, c'est-à-dire 23 chromosomes. Euh, cette deuxième division, on l'appelle division équationnelle. Mais avec le prénom de monsieur, qu'elle a, toutes les cellules de la cellule contiennent donc il y a deux types de divisions, une division euh, réductionnelle et une division équationnelle. Bien sûr, euh, nos cellules euh, vont subir des transformations de forme pour nous donner nos spermatozoïdes. Donc chaque spermatozoïde renferme 23 chromosomes uniquement. Voilà, effectivement. Pour les ovules, c'est l'ovogénèse, c'est la même chose bien sûr. Les ovules, euh, un ovule, eux aussi. Il renferme bien sûr 23 chromosomes. Donc au cours de cette division, il y a séparation des chromosomes d'une même paire. Voilà, on l'a vu. Ce type de division n'a lieu que pour la formation des gamètes. Comme je viens de le dire, donc la première division de la méiose est une division réductionnelle où le nombre de chromosomes est divisé par deux. Elle assure ainsi le passage du diploïde. La deuxième division est une division équationnelle de la méiose. Elle a toutes les caractéristiques de la méthose. Elle produit à partir de chaque cellule à un chromosome, bien sûr, double, deux cellules toujours à un chromosome euh, simple, comme nous l'avons déjà vu pendant la spermatogénèse. Effectivement, donc on a pris ici euh, uniquement pour simplifier une cellule à deux paires de chromosomes. On voit très bien, effectivement, on obtient deux cellules issues de la division à une paire de chromosomes chacune. Alors que leur, la cellule mère a renfermé deux paires de chromosomes. Déroulement de la division entraînant la formation des gamètes, comme nous l'avons déjà constaté. Alors, euh, on se demande que se passe-t-il pendant la fécondation. Voilà, la femme, l'homme, effectivement. Bien sûr, je parle de la méiose, Donc, on obtient, la femme va donner. Au cours de l'ovogénèse, ov un ovule qui renferme uniquement 23 chromosomes. Pour l'homme, bien sûr, pendant la donc il va donner des spermatozoïdes euh, uniquement avec 23 chromosomes, comme nous, nous l'avons déjà euh, montré. Mais pendant la fécondation, il y a formation de la cellule œuf. Cette euh, cellule œuf, elle est formée, bien sûr, suite à la fusion du noyau de l'ovule avec celui du spermatozoïde. Donc le noyau de l'ovule renferme 23 chromosomes, le noyau de, du spermatozoïde aussi 23 chromosomes, donc 23 chromosomes plus 23, donc la cellule œuf renferme 46 chromosomes, donc on revient au nombre de 46 chromosomes. Euh, bien sûr, la cellule œuf suite à une succession de divisions, comme je l'ai déjà dit auparavant, qu'on appelle la métose. donc euh, ce qui va Uh, bien sûr permettre, bien sûr le, la croissance uh, la croissance comme je, nous l'avons déjà expliqué donc uh, the body, the voyons maintenant bien sûr le caryotype donc le caryotype uh, de, de la femme 46 chromosomes c'est-à-dire 23 avec la 23e paire uh, de, de chromosomes CXX, puisqu'il s'agit d'une femme. Le cariotype de l'homme, comme vous le constatez, aussi 23 paires, c'est-à-dire 46 chromosomes, avec euh, la 23e paire, une paire euh, de chromosomes CXY, puisqu'il s'agit d'un homme. Donc euh, l'ovule, spermatozoïde, voilà, comme nous l'avons déjà dit, euh, bien sûr, division euh, qui a réduit le nombre de chromosomes de 43 à 23 donc au niveau de l'ovule nous avons uniquement 23 chromosomes de même pour le spermatozoïde. Continuons voilà pendant la fécondation que se passe-t-il effectivement euh, il y a bien sûr fusion des deux noyaux comme je l'ai déjà dit auparavant donc cette le voilà effectivement voilà, il y a fusion, donc on revient euh, au nombre de 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes. Dans ce cas-là, bien sûr, comme vous le constatez, la 23e paire de chromosomes XX, donc il s'agit d'une fille. Voilà. Alors, comme je viens de le dire, la cellule œuf provient de la rencontre des deux gamètes, un ovule et un spermatozoïde. En observant le cariotype des gamètes, on remarque qu'ils contiennent... Uniquement 23 chromosomes au lieu de 46 comme les autres cellules de l'organisme. Donc ils contiennent un seul chromosome de chaque paire, bien sûr. Les gamètes sont formés dans les organes génitaux, vous le savez très bien maintenant. Euh, les spermatozoïdes au niveau des testicules, les ovules au niveau des ovaires, à partir de cellules mères contenant 46 chromosomes. Donc bien sûr, la fécondation va rétablir le nombre de chromosomes. Puisqu'un spermatozoïde ayant 23 chromosomes rencontre un ovule ayant également 23 chromosomes, donc la cellule œuf est formée, est bien formée bien sûr de 46 chromosomes. Merci et bon courage!